Je suis arrivé dans le repère des fourmis apparemment. Wouah. Ça fait 30 mètres. Bon, moi je fais pas 30 mètres en vrai. Ça donne envie. Oh, je sais pas. En fait j'arrive pas à savoir si mon cerveau il capte que c'est 30. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le projet c'est d'aller faire un énorme cliff que j'ai repéré avec Mehdi il y a pas longtemps. Il y a 500 mètres de nage pour y aller. C'est un espèce de gros rocher qui ressort un peu au large derrière là-bas. Toute la team va participer parce qu'il va y avoir des angles de loin, il va y avoir des drones en l'air, il y a des mecs qui vont être en safety en bas et tout. Moi je vais me positionner sur un rocher à 500 mètres du saut, un truc du genre. Je fais une petite photo à la longue focale. La silhouette elle va se détacher dans le ciel. Il y a Jérém qui va venir avec moi aussi faire un plan OX. Du coup, un gros plan slow-mo là, ça va être trop stylé. On est parti pour combien, 500 mètres de nage? Ouais, à peu près. Là, il n'y a pas 500 mètres. On va arriver dans des rochers et après, il y aura 500 mètres de nage. Ah ouais, okay. On est vraiment au beau milieu de la Thaïlande. Et il y a des paysages de fou furieux. Les gars, si vous kiffez les vidéos, abonnez-vous, commentez, ça nous soutient de ouf. Franchement, c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à faire d'autres vidéos. C'est ça qui nous fait vivre. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Là on est en train de regarder un behind the scene du film qu'on a sorti qui s'appelle Civilisation, qu'on a tourné pendant 2 mois en Asie. Et on a sorti une collecte de vêtements spécialement pour ce film. Il y a les petites casquettes, celles que j'ai sur la tête. Et puis 3 t-shirts, 3 designs différents parce qu'on a tourné dans 3 pays différents. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site. Le lien est dans la description de cette vidéo. Fini de parler, ça part. Oh, c'est bon, il y a genre 5-6 mètres de fond, donc là on est tranquille, même si ça fait 25 mètres, on est tranquille pour le coup. On a fait une partie, maintenant il n'y a plus qu'à monter à travers la jungle et on va pouvoir compter le saut. Voilà. Ouais, t'as fait fuir tellement tous les poissons. Je pense que ça va être bien marrant. Petite grimpe là, une petite confrontation avec les fourmis. Et on va finir dans l'eau parce que j'ai pas envie de redescendre par là. C'est vrai que en fait redescendre par là ça fait plus chauffer que de sauter dans l'eau. Après, il faut monter dans la jungle. Ok. Eh bah, ça fait déjà bien haut. Hein. Ah oui. C'est bien galère. Parce qu'en fait, Mathieu, il nous guidait avec le drone. Mais c'était trop compliqué, en fait. Du coup, on a dû commencer à redescendre. Et lui, il était pas rassuré. Du coup, lui, en fait, il a sauté. Il a sauté en cours de route. Il s'est fait un petit saut de chauffe. Et là, bah, on continue à grimper, du coup. On a pris le chemin. On est en train de passer... là où il y avait toutes les fourmis que les gars ils ont vues. Et c'est vrai que quand elles vous piquent, en fait elles plantent les crocs et restent accrochées.
Je suis arrivé dans le repère des fourmis apparemment. On va devenir fou. Parce que Mathieu et Mehdi sont devenus complètement tarés apparemment. Elles s'accrochent et elles te lâchent pas. J'ai peur que les pierres elles se pètent. Hier, il y a une pierre qui s'est cassée sous mon pied. Je sais pas, là, j'ai aucune confiance en rien du tout. Mais ça va. En vrai, c'est quand même cool. La grimpe est agréable. Si tu oublies que ça fait mal, ça va. Wow. Oh, let's go. C'est trop stylé. C'est fou, les pierres, on dirait du métal, le bruit que ça fait. Là, Mathieu, il va lancer le caillou pour estimer à peu près la hauteur et voir un petit peu l'impact qu'on va prendre. Bon, bah, apparemment, il y a un salaire time. Donc, on va vérifier ça à la paye. Le truc, c'est que si jamais il y a beaucoup plus de 25, si jamais il y a 28 ou 30, là, ça commence à faire bien chauffer quand même. Prends ça. Vas-y, 3, 2, non. 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 Vite, vite, vite. Je la tenais et elle a volé de ma main. Non. Mais je la tenais juste pas assez fort. Elle est partie. Elle a une vitesse de ma main, j'ai même pas eu le temps de comprendre. Elle était plus là. Elle était là-bas dans l'eau. Bon, deuxième tentative. Romain allait chercher la tête. Maintenant, on va savoir enfin combien il fait ce saut. Ça a l'air d'être un big boy. Hein. Honnêtement, là. Oui. Bon, les gars, il fait 29. Non. 29 mètres. Non. Bah, moins 1. Non. Parce que là, il n'y a pas le caillou. Ah oui, il n'y a pas le caillou. Il a même pas le caillou. C'est 30. C'est 30. Ça fait 30 mètres. On va pas taper un 30 mètres. On se disait, ça va au final, il a pas l'air trop grand, ça va être genre 22. Bah, apparemment, il fait 29 mètres. On est sur un quasi 30. On sait pas trop là. Enfin, ça donne envie en vrai quand même. Non mais mec, mais 30 mètres, mais c'est hardcore. Oh non, moi je fais pas 30 mètres en vrai. Ah ouais? Oh, t'en as de l'envie. Mais comme je suis le seul à moitié là, c'est la première fois. Du coup, je sais pas. Bah après, c'est juste qu'on en a pas trop. Vous êtes pas fait pareil, hein. C'est clair qu'on n'est pas fait pareil. Mais c'est juste que, en fait, j'arrive pas à savoir si mon cerveau il capte que c'est 30. Mais lance une pierre. Oh, merde. Ça donne envie, non, je sais pas. Ouais, quoi, je Louis le fais, moi je le fais. Deux safety en bas pour être sûr. Mais moi je le fais. Hein. Je vais me gainer comme je me suis jamais gainé. En fait, j'ai besoin là de ressentir du airtime, ça fait trop longtemps. On s'est mis en bas en safety. Là, on attend qu'il nous donne le signal. Et après, on va plonger et pour pêcher lui au cas où ça se passe mal. Parce qu'en vrai, c'est un 30 mètres, du coup, ça rigole pas. Ils ont jamais fait 30 mètres. Mais là, ils sont en train de lancer des cailloux pour voir un peu juger la hauteur. En vrai, Louis, je sais pas si... Non, bah non, on se rend pas compte parce qu'on filme jamais ça. Mais Louis, il fait tout le temps des trucs de renfo, des pompes, des machins. Dès qu'on est, je sais pas, en train d'attendre quoi, il est toujours en train de sauter quelque part, en train de faire de la muscu en général. Et du coup, il est tanké comme un ours. Du coup, je pense qu'il peut grave encaisser ça, en vrai. Là, il le sent. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Là, c'est bon, j'ai pris la décision que j'allais le faire. En vrai, je suis confiant. J'ai déjà fait 25. C'est pas beaucoup plus bas, même si à cette hauteur-là, ça change énormément. Là, il y a la pression qui est en train de monter très très fort. Mais je sais que j'en suis capable. C'est l'histoire de quelques secondes. C'est quelques secondes hyper intenses. Ça va être les quelques secondes les plus intenses de strip, ça se trouve. Ouah, la pression a commencé à monter pour tout le monde, là. Ça fait bizarre, parce que 30 mètres, là... Presque 30 mètres, on sait pas trop. La tape, elle était en courbe, du coup, apparemment, c'est un peu moins de 30 mètres. Personne s'est jamais envoyé sur un 30 mètres dans la team. Tu te sens prêt là? Moi ouais, je me sens prêt là, je suis dans la bulle. Je sais que quand je vais sauter d'un coup, le saut il va s'étirer. Je vais me dire, ah ouais, ok, il me reste tout ça à tomber. Mais je le sais, j'en suis conscient, du coup, je contrôle et ça va le faire. Allez, Louis, chaud. C'est bon. Allez, Louis, chaud.
trop chaud. Oh la vache. C'est insane. Oh oui. Il était parfaitement équilibré. Ça faisait 6 mois qu'il avait pas fait un gros saut comme ça. En vrai, il s'est chauffé. Oh mec. Oh mon gars. Oh la vache mec, mais t'es trop chaud. Yes. Ça va s'arrêter où? Ouais, je sais pas, mais c'est incroyable. 29 mètres. Je l'ai senti. Hein. Oh là là là. J'étais en l'air, tu vois, je suis resté dans la position là. Ouais. J'ai freeze. Et j'étais en mode, ouais, ça continue de descendre, ça continue de descendre. Incroyable. Et là, j'ai fait un petit à-coup et pa. Mais mec. Ouais. T'as pris une belle. Ouais, en fait, j'ai juste pris dans le cul. Genre, les jambes, tout, rien. Ouais. Nickel, tout nickel. Je savais en fait, c'est ça le truc, c'est que. En fait, il faut se projeter, hein. C'est grave important. Oh bah oui. Il faut se projeter, il faut se visualiser parce que je m'étais visualisé qu'il allait y avoir un 30 à un moment. J'étais prêt en fait, genre. Sans le savoir, j'étais prêt déjà. Let's go! 39! En fait, dans ces moments-là, il faut vraiment le faire au feeling. Si t'arrives devant le saut et que t'as toutes les réponses en mode de, bah ouais, ça le fait. Là, let's go. Let's go se faire confiance avec les années d'entraînement. Et si t'as un espèce de sentiment chelou en mode... il y a des espèces de peurs bizarres qui sont pas là d'habitude. Là, c'est le moment de s'écouter. Et en vrai, moi, j'avais ce sentiment-là quand je suis arrivé là. Du coup, avec Romain, on a préféré s'écouter et ne pas le faire. T'as une photo cool, du coup? Ouais, là, j'étais sur l'îlot tout là-bas avec Jérém. J'ai fait une photo longue focale. C'est bien stylé. Vous voulez que je vous montre? Ok, oui. Je vous montre ça. Oh oui, je vois pas l'endroit, mais oui. Et voilà. Pour l'avoir mieux, c'est où? Ça sera sur le shop. Le lien est dans la description. Vous pouvez aller voir notre boutique. 30 mètres. Franchement, ça se fête. Hein. On va faire un gâteau, on va mettre 30 bougies. Zaza! On t'aime Isabelle! On t'aime Isabelle! C'est ma mère! Lui il a quand même fait un 29 mètres au beau milieu de la Thaïlande. Ça régale de fou, franchement, on vit pour ce genre de moment. Merci de nous soutenir et de commenter les vidéos, c'est ça qui fait qu'on peut continuer à être recommandé par l'algorithme, du coup ça compte de ouf. Tout ce qu'on vous montre et tout ce qu'on tourne en ce moment, ça fait partie d'un de nos plus gros projets. Le projet c'est Civilisation, ça retrace nos 2 mois de voyage en Asie. Et c'est juste insane, on vit des moments incroyables. N'hésitez pas en tout cas à acheter les freins ou même à aller choper le film. Tous les liens sont dans la description. C'est une fin de journée pour nous et c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Nous, c'est un plaisir d'être ici avec ce paysage. On prend du plaisir. On espère que vous kiffez autant que nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao! Ciao!